Coucou les filles, pour commencer, je vais m'attacher les cheveux et je vous reprends pour le smokey eyes. Et voilà, on sera même quand même plus à l'aise pour se maquiller dans ces conditions. Alors là, je vous ai fait déjà la base de teint, donc l'hydratation. J'ai fait le fond de teint et les sourcils rapidement. Parce que là, il est, je crois, 9h du soir. Donc comme je vous ai dit, je vais vous faire un smokey eyes. Je perds mes mots, c'est génial. Donc pour le smokey eyes, j'ai eu plusieurs... j'ai une ou deux personnes qui m'ont demandé de le faire. Mais elles n'étaient pas tout à fait d'accord sur la couleur. Du coup, moi en ce moment, je sais que j'aime beaucoup les tons top. Un petit peu couleur terre, un petit peu couleur... un peu ocre et tout ça, assez nude. Et du coup j'ai décidé donc de prendre la palette de chez NYX, donc c'est Love Contour All, que j'ai maintenant, ça fait un petit moment que je l'ai. Donc c'est une palette où il y a des fards à paupières, et il y a aussi pour faire le contouring et des highlighters. Donc si vous voulez plus d'informations, après je vous dirai peut-être aussi si je les trouve, les couleurs, mais ça, non, il n'y a plus les, je les ai plus, donc je vous les dirai pas, désolée, mais je pense qu'on peut les retrouver sur internet. Donc là je vais faire avec cette palette là, mais j'ai hésité parce que j'ai des tons assez similaires avec des palettes un peu moins chères, donc en la NYX on va dire c'est la plus chère. Ensuite j'ai la palette de chez Kiko, donc je sais même pas, voilà, Prom Queen. Donc franchement les couleurs elles sont canon aussi. Donc elle est assez complète, en plus il y a le petit miroir qui permet de se maquiller un petit peu partout aussi. Et la NYX je sais plus combien je l'avais payée, mais je l'avais eu en solde donc je l'ai pas payée bien cher. La Kiko je crois que je l'ai eu à Noël. Et la dernière, donc elle a vraiment un max de couleurs et je l'ai payé rien du tout. Donc c'est de chez Action. Et c'est 24 palettes. Ouais, 24 couleurs. En fait, elle a pas de nom. Mais si, 02 nude. Mais elle est trop belle en fait. 02 nude là. Donc voilà. Et franchement, elle a une pigmentation vraiment chouette. Si vous voulez que je fasse un tuto avec celle-là, avec certaines couleurs que vous aimez bien, moi j'adore ces couleurs-là, un petit peu, vous voyez, un petit peu cuivrées. Si vous voulez que je fasse un tuto avec ces couleurs-là, n'hésitez pas, mettez-moi-le en commentaire, je le ferai. Donc maintenant, on passe à notre tuto. Voilà, je me suis rapprochée un peu pour que vous voyez mieux. Donc, pour faire les yeux, toujours, moi j'utilise toujours une base, là j'ai fini mon autre base, mais je vous la montrerai quand je la recevrai. Donc là, j'ai la base de chez Action, qui ne coûte pas très cher non plus, comme d'habitude. Et elle contient des paillettes, en fait, elle illumine aussi en même temps. Moi, je la trouve assez sympa. Donc, hop. Donc, j'en mets un petit peu sur ma paupière mobile. Voilà. Je verrai si j'en ai mis assez parce que je la connais pas trop. Normalement, c'est pas celle-là que j'utilise. Merde. Putain. Enfin, je vous dis que je suis une catastrophe. Je le suis vraiment. Voilà. Je vous explique. En voulant reboucher la base, j'ai arraché l'embout. Non, il n'y en a pas assez. Donc, j'en mets bien même au-dessus. C'est pas grave, ça redessine bien le sourcil. Mais ça permet... Ça permet donc au fard à paupières de bien tenir toute la journée. Bon là en l'occurrence, c'est pas pour toute la journée, mais je veux quand même qu'il tienne. Enfin, je fais comme si c'était pour la journée en fait. Voilà. Donc, ça illumine. Quand je regarde dans l'air, c'est normal. C'est que j'ai mon miroir. Donc voilà. Donc là, on en est là. Une fois que ça s'est fait, on attend un petit peu que ça sèche. Et on va passer donc aux yeux. Alors, en premier lieu,
je vais utiliser, alors j'ai pas tous mes pinceaux parce que le déménagement, j'ai pas tout pris. Donc, je vous disais que les pinceaux, je les ai pas tous. Donc du coup, je vais utiliser beaucoup ce petit pinceau et mes doigts. Et puis après, je vous montrerai le reste. Alors, en premier, je vais utiliser donc la couleur assez cuivrée et qui est quand même assez, comment dire, pailletée. Donc, elle, je vais la mettre au centre de ma... Enfin, en fait, sur toute ma paupière mobile. Alors, les palettes de chez NYX, elles sont vraiment très pigmentées. Donc, il faut vraiment mettre très peu sur son pinceau. Donc là, je vais vraiment faire toute ma paupière mobile. Voilà. Ensuite, je vais faire la seconde. J'en ai mis un peu trop. Voilà. Donc bien jusqu'à l'extérieur. Une fois que celle-là c'est fait, je vais changer de côté. Et donc, on va passer à la couleur un petit peu plus foncée. Donc, je vais passer à celle-ci. Ici, là. Et donc, on va en mettre un petit peu dans le coin externe et dans le coin interne. Et on va relier les deux. Donc, ah oui, celle-là. Donc, c'est parti. Alors, mettre comme ça, vous verrez mieux. Donc là, c'est vrai que la première que j'ai mis, elle est vraiment pigmentée, donc on va la recouvrir en tapotant bien dans la couleur. Bon, vous voyez, en fait je fais des petits des tout petits mouvements, et en fait comme c'est bien pigmenté, ça vient tout seul. Alors du coup, je remonte bien, et après j'estomperai de toute façon. Et donc, on fait aussi l'intérieur de l'œil, pardon. Donc, on met bien de la matière. Et une fois que la matière est bien mise, je vais venir avec mon petit pinceau. Normalement, j'ai un pinceau qui estompe assez bien, mais là, je ne l'ai pas. Donc, avec ce petit pinceau, je vais venir donc relier les deux. Et moi, j'aime bien essayer de former un petit angle. Donc voilà. Donc un petit angle. Voilà. Et après, je vais venir estomper un peu plus tard. Donc là, j'ai fait ma base. Donc vous voyez la différence entre les deux. Ça permet un petit peu de recentrer le regard. Ensuite. Punaise. Alors ensuite, on va faire donc l'œil suivant. Donc là c'est pareil, je commence par le coin externe. Je vois pas très bien là le reflet. Si vous voyez vous dans la caméra. Et je vais faire maintenant le coin interne. Donc c'est vrai que, bon là on voit pas très bien, est-ce que je vois moi dans mon miroir? Oui. C'est vrai que cette couleur là, de Smoky, elle va à beaucoup beaucoup de personnes. Donc n'hésitez pas, quelle que soit votre carnation de peau, à essayer de le faire. Hein. Ça ne vous coûte que un peu de temps. Donc c'est vrai que je galère un peu avec ces pinceaux. Je n'aime pas du tout, mais je vous referai le même tuto quand j'aurai mes pinceaux. Donc voilà. Donc là, on est à peu près similaire avec les deux yeux. Alors pour la suite, moi j'aime bien dans le coin de l'œil mettre donc des paillettes un petit peu plus claires. Donc une ombre paupière un peu plus claire. Donc moi je vais mettre celle-là.
Je sais pas si vous voyez. Celle-ci qui est un petit peu plus... comment? Un petit peu plus claire en fait que la première que j'ai utilisée. Mais c'est vraiment... ça c'est vraiment... parce que moi j'aime beaucoup en fait avoir dans le coin interne, voilà, un petit peu de matière. Et donc là, je le fais au doigt. Sachant qu'après, je vais mettre une petite touche d'eyeliner. Et je vais me faire le mascara. Donc là, voilà. Et après, donc ça c'est pareil, c'est un petit peu bonus. Moi, je fais toute la paupière supérieure. Parce que c'est un fard assez irisé et clair. Et donc, ça permet de retracer un petit peu le sourcil. Et donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, c'est pareil, il faut pas en mettre des tonnes. Mais moi, je trouve que, bon là, en plus, dommage, je l'ai pas fait en plein jour, mais je vous en referai un si vous le souhaitez. Mais en plein jour, ça permet en fait de vraiment structurer les sourcils et le maquillage. Donc voilà. Voilà. Donc là, pour la paupière mobile, on a à peu près le résultat final. Donc maintenant que les paupières mobiles sont terminées, je vais faire donc le teint plus poussé, donc contouring léger, parce que je trouve que le maquillage est assez sophistiqué, entre guillemets bien sûr encore une fois, mais je trouve que, enfin moi en tout cas personnellement, quand je sors avec ce type de maquillage, je fais un teint un peu plus poussé que ce que je fais dans la première vidéo, donc je vais le faire là aussi pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Après, si vous voulez un teint encore plus poussé, donc vraiment contouring à fond, fond de teint à fond, enfin bien structuré, laissez-moi un commentaire et je ferai une vidéo dessus. Donc pour commencer, l'anti-cerne que j'ai déjà posé, j'ai oublié de filmer l'étape où je le posais, donc je vais donc laisser un petit peu histoire que le produit se fixe. D'habitude, comme je fais d'abord mon teint, après mes sourcils, parce que d'habitude je fais pas les paupières. Là, en attendant, normalement je fais mes sourcils. Donc là, j'ai pas l'occasion de faire mes sourcils, donc je vais attendre un petit peu. Et je vais donc étaler la matière. Mais je pense que cette fois, je vais le faire au doigt, parce que la dernière fois, je l'ai fait avec la brosse. J'aime bien, mais c'est vrai que j'ai quand même l'habitude de pratiquer mon anti-cerne, mon concealer, avec les doigts. Et donc je vais faire ça et je vous retrouve pour la suite. Alors en fait, je vous reprends avant d'avoir fini le deuxième œil, parce que là j'ai fait donc le premier côté. Mais je me rends compte qu'en fait c'est quand même assez important, parce que du coup quand je le fais, je délimite en fait mon... Punaise, je ne trouve plus mes mots. Je délimite en fait mon maquillage, mon ombre à paupières, voilà. Grâce à l'anti-cerne. Ce soir, ça va pas du tout. Alors du coup, je vous montre un peu moi comment j'estompe celui-ci. Alors ça c'est pareil, ça dépend de chacune, comment on aime notre maquillage, si on aime le travail à la main. Déjà il y en a qui aiment pas du tout en avoir sur les doigts. Moi je trouve que pour l'anti-cerne, en tout cas, je trouve que c'est quand même un peu mieux selon la matière, parce qu'il y en a qui ont des très liquides et ça c'est vraiment dur à travailler. Moi je trouve avec les doigts, j'arrive pas trop. Lui ça va, si on le laisse 2-3 minutes, enfin 2-3 minutes, quelques petites secondes pénétrer en fait, après ça va beaucoup mieux. Donc voilà, donc ça permet, moi je trouve, de délimiter un petit peu le fard à paupières. Alors ensuite, on va commencer à faire le contouring. Donc, pour le contouring, alors ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai, je sais même plus où je l'ai acheté. Donc il y a un côté foncé, qui est pas trop foncé pour moi, parce que comme vous voyez, c'est pas, je suis pas très très bronzée. Et un côté clair, le côté clair je l'utilise tout le temps.
Parce que il y a des moments où je mets pas beaucoup d'anti-cerne. Enfin, j'en mets, mais je trouvais pas assez couvrant celui que j'avais avant celui-là. Donc du coup, je mettais un petit peu de clair. Et je faisais le reste du contouring avec de la poudre. Donc là, je vais faire un petit peu de contouring. Mais clairement, le clair, là, du coup, que je mets l'anti-cerne, je l'utilise... Enfin, c'est plus léger, quoi. J'en mets quand même parce que je trouve que si j'en mets pas, on voit... Enfin, j'ai l'habitude, en fait, d'en mettre, donc je vois la différence. Mais c'est pas non plus énorme. Et donc, le foncé. Voilà. Désolée, c'est pas très glamour. Et donc, moi, j'en mets légèrement sur le front parce que, en général, quand je me maquille comme ça, je me fais les boucles. Donc, on le voit pas. Et voilà. Donc, ensuite. Je commence par estomper en premier le foncé. Si je trouve ma petite brosse. Donc avec cette petite brosse, donc en premier, je... Alors attendez, voilà, là vous verrez mieux. Je commence par l'intérieur, hop, et je remonte. Alors en général, je fais le plus gros avec une petite brosse comme celle-ci. Et après... Une fois qu'une bonne partie est faite, je prends une grosse, donc la même mais en grosse, exprès pour le contouring. Et j'estompe. Donc, voilà. Et moi, je fais toujours vers le haut. Donc voilà, comme un petit trait. Ça va. Et après, j'accentue avec... ben, je vais vous montrer de toute façon, mais mince. Donc là, je fais la même chose de l'autre côté. Là, vous allez moins voir parce que la lumière, elle est moins bien placée. Voilà. Et encore que là, je l'estompe bien parce que... Donc là en haut, j'utilise même pas la petite brosse parce que j'aime bien que ça soit vraiment quand même estompé. Je trouve pas que j'ai nécessairement besoin de ça au front, mais j'aime bien quand même structurer. Je trouve que ça fait un peu plus structuré. Voilà, et donc maintenant on passe au plus clair. Donc j'ai fait d'abord le foncé parce que au moins le clair, ça se mélange légèrement, c'est pas énorme. Ça se mélange légèrement et ça me permet en fait que ce soit un peu moins clair. Donc hop. Et si. Donc là c'est pareil, je passe de sorte à ce que voilà, ça fasse bien un tracé quand même assez droit de l'ombre à paupières. Voilà. J'espère que vous n'entendez pas les arrière-bruits parce que j'ai mon chéri qui est dans la pièce à côté. Alors, donc là, au niveau du contouring en stick, j'essaierai de voir, de retrouver où je l'ai acheté, mais je sais pas si c'est pas sur un site chinois que je l'ai acheté. Donc n'hésitez pas, si vous voulez savoir où je l'ai acheté, je vais rechercher, mais à venir me le dire en commentaire et je vous le dirai. Je chercherai pour vous. Donc ensuite, je vais continuer avec la poudre. Donc la poudre. Pour le contouring, hein, parce que le teint, je ne le fais pas faire avec vous. Donc, un petit peu chaud. Je fais une petite pause. L'envers du décor. Donc, je prends mon petit pinceau, pardon, et
Et pareil, je fais 2-3 traits et je remonte. Voilà. Oh, j'adore. Et un petit peu sur le front. Voilà. Donc, oh, ces cheveux, j'en peux plus. Alors, donc là, une première partie qui est bien faite. Maintenant, on va passer au donc à la partie inférieure donc de l'œil. Donc pour la partie inférieure de l'œil, j'essaye de m'approcher au maximum de l'écran. Donc je ne sais pas si vous allez bien bien voir, mais j'essaye. Donc je vais prendre... Ah oui, non, vous ne voyez pas. Je vais prendre donc celle qui est sur ma paupière mobile, c'est celle-ci. Et là pour le coin, enfin pour le ras de cils inférieur, merci, je vais prendre cette couleur-là. Donc, en premier, ce que je vais faire, c'est mettre un coup de crayon marron. Mais comme je n'ai pas taillé, je vais aller le tailler. Donc voilà, je me suis rapprochée parce que pour voir le ras de cils inférieur, c'est quand même plus simple de près parce que là, ça va être quand même assez délicat. Donc, je vais utiliser un crayon marron. On va rester dans les tons. Donc, ce crayon, je l'ai eu dans une... Je sais plus dans quoi je l'ai eu. Ah oui, dans une Birchbox que j'avais commandée. Donc du coup j'avais reçu, parce que les crayons marron c'est vrai que j'avais jamais forcément regardé, je mettais beaucoup du noir. Donc vous voyez pas, donc c'est un Marcel. Et donc marron. Et je vais en mettre donc à l'intérieur. Bon, on voit pas très très bien mais je vais en mettre donc dans la muqueuse et sur le... Sur le ras de cils inférieur, c'est là où ça va le plus se voir. Donc, j'hésite pas à en mettre. Oui, si ça se voit. Donc, là, je sais pas si vous arrivez bien à le voir, mais si. Bah là, de toute façon, vous voyez la différence, là. C'est très bien. Donc, une fois que ça c'est fait, donc je vais le faire après dans l'autre œil, mais je ferai tout en même temps. Je vais utiliser... Donc ça c'est celle qu'on a utilisée pour la paupière mobile. Et là je vais utiliser celle-ci qui est légèrement plus foncée. Et qui va permettre de masquer un peu plus, de marquer un peu plus le regard. Donc j'utilise un pinceau qui est assez biseauté. Et je vais venir, je suis désolée je regarde en haut parce que sinon je vois pas bien. Mais je vais venir le mettre au ras de cils inférieur. Enfin en dessous du ras de cils inférieur. Le plus proche au maximum, en fait, du ras de cils. Au maximum. Oh, j'en ai dépassé un peu. Voilà. Là, ça me convient. Alors après, vous pouvez un peu plus foncer si vous préférez. Vous pouvez un peu plus étirer parce que oui, moi, je m'arrête ici. Parce qu'après, je vais mettre mon trait d'eyeliner. Ça, c'est propre à chacun. C'est pareil, ça dépend de comment on aime se maquiller. Donc là, on voit quand même bien la différence. Hein. Je ne l'avais pas vu, mais là, on voit bien la différence. Donc, ça dépend de comment on aime se maquiller. Il y en a qui vont le faire vachement étiré. Moi, je le fais légèrement étiré parce qu'après, je mets mon eyeliner et je trouve que ça fait beaucoup trop si je fais un trait d'eyeliner jusqu'ici. Mais c'est propre à chacun. Alors, je vous retrouve donc pour le deuxième œil. Donc, pareil. C'est vrai que vous voyez moins... Ouh, vous voyez moins de ce côté quand même. Donc, pareil. À l'intérieur de la muqueuse et en allant quand même sur le ras de cils inférieur. En fait c'est parce qu'il est pas bien gras ce crayon. Après il faut vraiment pas hésiter à en mettre donc sur le ras de cils hein, plus que dans la muqueuse parce que c'est vrai qu'il est pas bien gras et du coup bon si ça va. Dans la tête aussi. Donc pareil, je reprends. Oh, elle est où ? Là, je reprends ma même couleur. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est pigment. Enfin, en fait, ça dépend de votre palette. Donc là, pareil, en dessous de l'œil. Et je viens en mettre. Donc là, c'est pareil. Moi, j'en mets jusqu'à
jusqu'au coin interne. Jusqu'au coin interne de l'œil. Oui, voilà. Et je trouve que ça permet quand même, je trouve que ça permet quand même là de bien fixer le regard. J'aime bien moi. J'aime bien comme ça. Donc voilà. Donc là, le make-up en soi, enfin des yeux, ombre à paupières est terminé. On a fini. Alors maintenant que l'ombre à paupières c'est fini, on va passer au mascara. Donc comme je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente, je ne me sépare jamais de mon recourbe cils. Parce que bon, j'ai quand même... comment je peux vous montrer ça? J'ai quand même de la matière, enfin j'ai des cils. Ils sont assez courbés, mais rien ne vaut de les recourber au recourbe cils. C'est tout simplement génial. Donc je recourbe mes cils. Ça c'est la chose la moins jolie. Quoique quand je mets du rouge à lèvres aussi, c'est pas mal. Oh, j'ai un petit cheveu. Ma tête elle est pas mal non plus. Alors là c'est pareil. Donc comme je vous avais expliqué la dernière fois, d'ailleurs je ne l'ai pas fait sur l'autre, mais je prends au début ras de cils, puis j'avance petit à petit sur mes cils. Et au plus j'avance, au plus... Non, pas du tout ça que je voulais dire. Au plus je fais de pression, au plus mes pressions sont fortes et longues en fait. Voilà. Donc là déjà, on voit que c'est légèrement plus courbé. Moi ça me convient. Et donc on va passer au mascara. En parlant de mascara, je sais pas là où je l'ai mis. Mais je pense qu'il est là-bas. Mais j'ai acheté... Bah attendez, je vais vous le chercher. Donc... Je suis de retour. Donc, je vous avais montré mes deux mascaras de chez Kiko. Donc, c'est à peu près les mêmes. C'est tous les deux des Luxurious Lashes. Donc, lui, c'était une brosse... Excusez-moi. En poil. Et donc, je vous avais dit que je l'aimais bien. Mais je préférais le waterproof. Malheureusement, j'aime pas trop me maquiller en waterproof, sauf l'été. Mais le waterproof parce que la brosse était en silicone et elle était beaucoup, beaucoup plus pratique. Et bien, j'ai acheté ce mascara. Donc, c'est le même. Or, la brosse est en silicone. Alors, je vais l'essayer avec vous. Alors, je vais vous montrer cet œil de plus près. Donc, je viens juste de l'ouvrir. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça me fait... Oh non! Catastrophe! J'ai pas fait mon eyeliner. On repart à zéro. Ça y est. Donc, on va faire l'eyeliner. Avant, j'étais tellement pressée d'essayer mon mascara. Alors, je vais faire mon eyeliner. Donc là, c'est pareil que la dernière fois. Lui, il arrive en fin de vie. J'aurais dû en racheter un. Mais j'ai pas trouvé celui que je voulais. Donc, je vais... Je sais pas si vous allez bien voir, mais bon. Je vais faire mon eyeliner. Alors, on va faire quelque chose de mieux. Je vais faire mon trait d'eyeliner. Donc, je commence par le coin interne de l'œil et je fais ma virgule. Et je vous reprends une fois que c'est fait. Alors voilà, ça y est. J'ai fait mes traits d'eyeliner. Mon eyeliner arrange l'âme. J'ai dû passer à celui de secours. Donc, c'est un de chez Nocebé que j'ai eu dans un coffret de Noël. Et je déteste ce type d'eyeliner. Vous me direz vous en commentaire si vous aimez bien. Mais je trouve que c'est hyper pas pratique. Ça se tord dans tous les sens. Bref, j'arrive pas à me maquiller avec ça. Celle qui arrive, laissez-moi un petit commentaire. Alors ça y est, du coup je peux passer au mascara. Et essayer mon nouveau mascara. Donc je me rapproche comme ça. Vous voyez un peu mieux. Donc je commence comme je vous ai dit. Du bas. Et je zigzague pour remonter. Ah oui, c'est génial.
Franchement, il est génial. Regardez ça. Donc là, c'est le côté où j'ai mis du mascara. Et là, en fait, je sais pas pourquoi je me cache. Ah, c'est ce mascara est quand même assez génial. Là, je vais essayer de mettre ma tête un petit peu comme ça. Regarder vers le haut. Et là, il y a le mascara. De l'autre côté, il n'y en a pas. Et je trouve que on voit quand même assez bien que le mascara marche plutôt pas mal. Donc, on va le mettre de l'autre côté. Oui, je suis bien contente. Et bien évidemment, comme je vous l'avais dit, c'est 3,95€ en ce moment chez Kiko les mascaras. Donc j'en ai pris deux comme ça. Donc j'espérais qu'ils soient bien parce que je me suis dit j'en ai quand même pris deux. Donc j'aurais été deg de... Bon, pour le prix, j'ai envie de vous dire, je l'aurais offert à quelqu'un. Voilà. Donc le mascara, c'est fait. Donc le smoky eyes là, il est terminé. Et moi je me mets donc un petit peu de blush. Donc d'habitude je mets un blush assez rose, comme je vous ai mis dans l'ancienne vidéo. Il faut aimer. Là je vais vous mettre un blush de chez Nocibé assez clair. Parce que je trouve que le maquillage est quand même assez, assez costaud. Donc là c'est vraiment juste pour dire effet bonne mine, mais je pense pas que... Bon, si vous le voyez un petit peu, je pense pas que vous le voyez très clairement dans la vidéo parce que comme je le fais de nuit, c'est de la lumière artificielle qui est en plein dans mes yeux. C'est l'envers du décor. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc en général, quand je vais y arriver. Donc en général, quand je fais donc un smokey eyes comme ça, je mets quand même un petit rouge à lèvres. Donc soit je mets un gloss très new, très simple, soit celui-là que j'adore. En fait, j'ai acheté les 5 mini de Urban Decay. Je les adore. Je les avais achetés à Londres quand on était parti avec mon chéri là-bas. Donc là, c'est le 1993 Comfort Matte. Donc des Urban Decay, j'adore. En plus ils sont trop beaux, ils sont trop beaux avec le petit logo, enfin j'adore. Donc voilà la couleur qui est un petit peu marron. Donc moi je veux pas en mettre, je veux pas que ça soit vraiment marron, je veux juste que mes lèvres elles soient un peu colorées. Donc en fait, putain, je sais pas comment vous montrer, donc je tapote. Donc normalement, j'utilise un petit pinceau, bon là on le voit. Normalement j'utilise un pinceau à lèvres, forcément. Sauf que comme j'ai déménagé, j'ai tout oublié, j'ai perdu des choses. J'ai pas tout rangé, le maquillage je l'ai un petit peu installé. Bon bref, je vous passe les détails. Donc hop. Donc j'en mets un petit peu, mince, voilà, on met un petit peu et j'estompe le tout. Donc en gros voilà le résultat. Donc je vais vous rapprocher un petit peu. Donc je trouve que le résultat il est plutôt pas mal. Bon ben, malheureusement c'est pas la lumière du jour, donc c'est pas un résultat forcément, enfin on le voit pas bien, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. En plus je vous avouerai que la base de teint je l'ai faite ce matin, donc c'est très très top. Enfin voilà, je trouve que ça donne plutôt pas mal. Au niveau des yeux, si vous voulez je peux zoomer un petit peu. Bon là j'ai des restes de mascara, donc info importante. Quand il nous reste des petits morceaux de mascara comme ça, qu'on vient de faire un smokey eyes, qu'on a mis du temps, quand on a mis du temps à le faire,
On vient pas frotter comme ça quand c'est pas sec. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que, donc là, une fois que c'est sec, je prends un coton-tige et tout doucement, donc là, je vais faire avec le doigt parce que de toute façon, après, je vais me démaquiller, donc c'est pas grave, même si ça enlève. Mais une fois que le mascara est sec, je viens, hop, juste, même là, vous voyez, juste avec mon ongle, frotter et ça s'en va. Ne massacrez pas votre maquillage pour deux petits points de mascara. Donc là, j'ai pas mis de faux cils parce que déjà j'avais pas envie d'en mettre parce que je trouve que le maquillage il est assez, assez beau comme ça. J'essaie de vous montrer comme ça, voilà. Et que là mes cils ils sont bien, ce mascara est cool. Et sinon, je vous ferai une vidéo où je mets des faux cils si vous le voulez. Donc vous me le dites en barre de commentaires. Et puis voilà. Et voilà les filles. Donc là, je me suis détachée les cheveux rapidement. Donc je me suis pas coiffée, hein, mais je me suis détachée un petit peu les cheveux pour que vous voyez à peu près ce que ça donne si vous sortez avec ce type de maquillage. Donc, je trouve que... oui, j'ai changé de lumière aussi parce que la lumière dans le visage, j'arrivais pas trop à doser. Enfin, je voulais voir un rendu un peu plus... comment dire, qui donne un peu plus la réalité. C'est un peu bête ce que je viens de dire, mais bon. En gros, la lumière est moins forte, donc ça fait un peu plus réel. Donc voilà. Moi, je trouve que pour tous les jours, je le porterai. Je pense que c'est réalisable par tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les commentaires, allez-y. Et surtout, abonnez-vous. Je vais essayer de faire donc ce que je ne vous ai pas expliqué la dernière fois, mais je vais essayer de vous faire une vidéo le mercredi et de vous poster aussi une vidéo le dimanche. Pour l'instant, c'est des vidéos de make-up, mais vous pouvez donc déjà me donner des idées. Secondo, vous pouvez aussi me dire si vous voulez des vidéos par rapport à comment je m'habille, aux vêtements, où c'est que je commande, si vous voulez que j'ouvre une commande avec vous. N'hésitez pas, vous mettez un commentaire et je le ferai. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, partager.